Salut à tous, aujourd'hui on va parler du matériel et des équipements pour le levage des motos légères. Donc on va parler du matériel accessible aux particuliers, donc avec des prix assez corrects. Et donc on va voir un peu le but de surélever une moto. Alors dans un premier temps c'était surtout fait pour les motos de cross ou les dirt qui n'avaient pas de béquilles. Donc il fallait absolument les surélever pour les poser, hein, pour qu'elles soient accessibles au niveau de l'entretien et faire les vidanges, le graissage, nettoyer les roues, les freins, etc. Et aussi pour le lavage des motos. Qu'est-ce qu'on peut faire en surélevant les motos? Et on peut aussi faire des présentations pour des ventes, pour des salons. Et on peut faire aussi des photos sympas avec des motos genre Supermote. Alors on va commencer par du matériel assez simple et on va commencer par exemple le tabouret que vous avez sur la gauche, qui est un tabouret YCF, c'est la marque YCF qui l'a sorti. Sinon vous trouvez des tabourets d'autres marques. Je vais vous le présenter de plus près. Alors ce tabouret YCF, il est vraiment conçu pour les motos YCF. Vous avez un trou au milieu qui permet de faire de la vidange. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur vidanger une YCF que je vous mets sur l'écran. Donc ce tabouret est simple mais solide, bien stable. Et il supporte apparemment 120 kg. Donc ça suffit largement pour poser une moto. Même motocross jusqu'à 250 cm3, il n'y a pas de souci. Au niveau des prix, vous avez des tabourets entre 50 et 80 euros, suivant la qualité et la solidité. Voilà, donc c'est un petit tabouret qui est sympa. En tout cas, YCF a fait des couleurs sympas, orange fluo. Vous pouvez aller voir en description, je vous mettrai des liens. Donc ça, c'est un premier équipement. Au niveau des tabourets, on a aussi des tabourets en polypropylène repliable. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour se déplacer sur une course. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et apparemment, c'est bien costaud quand même. Donc je vous mets aussi le lien en description. Si vous voulez soulever une moto un peu plus lourde, vaut mieux passer sur le tabouret de droite qui est un lève-moto. Voilà, un lève-moto. Donc avec une poignée qui permet de soulever dans la moto. Donc je vais vous faire voir un petit peu le fonctionnement. Voilà, vous appuyez et vous soulevez la moto. Et donc là on est bloqué en position haute. Donc avec ce système on peut soulever des motos un peu plus lourdes et ça va jusqu'à 150-160 kg. Au niveau du prix, vous en trouvez à partir de 40 euros jusqu'à 80-100 € maximum. Voilà, donc ça c'est stable, c'est vraiment pratique. Après, il faut pouvoir passer le tabouret sous la moto. Par exemple, sur ma TDR 125, c'est pas assez haut. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre des planches devant et derrière sous les roues, de façon à surélever un petit peu la moto et ensuite vous enfilez le tabouret par-dessous et vous soulevez l'ensemble. Donc ça, c'est les tabourets. Maintenant, on va parler des béquilles d'atelier. Au niveau béquilles d'atelier, vous en avez une à droite. Voilà, donc ça, c'est une béquille pour l'arrière. Donc vous avez aussi des béquilles pour l'avant. Cette béquille pour l'arrière, elle supporte le bras oscillant. Donc vous voyez, on a des vis sur les côtés. Je vais aller vous montrer ça. Voilà, donc on voit bien le système avec une molette ici. Et donc vous pouvez faire glisser le patin de façon à vous adapter à la largeur de la moto. Donc ça, c'est de chaque côté. Voilà, donc on est bien sous le bras oscillant ici. Et puis dessous, vous avez les roulettes.
Donc avec ce système de béquille, c'est tout simple. Vous prenez la béquille, vous faites coulisser sur les roulettes, et comme ça vous montez, vous descendez la moto. Quand vous reposez, voilà, dès que la béquille touche par terre, ça fait comme un verrouillage et la moto est stabilisée en sécurité. Donc avec ce système, ça vous permet de faire tourner la roue et donc d'entretenir la chaîne, la nettoyer, nettoyer la jante. Voilà, la béquille est sympa. Donc ça, c'est la béquille pour l'arrière. Et si vous mettez une béquille pour l'avant, alors là j'en ai pas, mais au lieu d'avoir des patins, vous avez des espèces de petits plots qui viennent sous les tubes de fourche. Vous avez un petit trou hein, de chaque côté. Et donc ça soulève de la même manière. Voilà, donc ça c'est les trois équipements qui sont vraiment très pratiques. Même indispensable dès qu'on fait de la motocross, du dirt, supermote, entretien des motos, dès qu'on bricole un peu, c'est vraiment très bien. Donc ça c'est du petit matériel, après vous avez des modèles beaucoup plus costauds, vous avez des modèles hydrauliques, mais là vous êtes plutôt sur 150 euros voire 200, c'est pas le même budget. Après, vous voir suivant l'utilisation. Voilà, je voulais vous parler de ce petit matériel qui est indispensable et qu'il faut avoir dans votre atelier. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas. Un petit pouce, ça fait plaisir. Un petit commentaire. Et puis dites-moi si vous voulez d'autres sujets. Abonnez-vous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.